Moi-même, c'est Toto Borgella, je suis animateur, compas ou bien musique haïtienne, John Cabledil. Moi, à vivre New York et moi, travaille dans la radio, Radio Créole, qui est sur www.infocreole.com et sur Quincy 89.7, son radio haïtien. Et nous parlons toujours dans les affaires culturelles haïtiennes, nous faisons des émissions dans les affaires santé, de prévention, dans la lutte contre les ISTV et le SIDA. Et puis, aujourd'hui, nous avons une possibilité pour nous faire une rencontre avec SECO-SIDA, qui est le centre de communication sur le SIDA et la santé. Côté, nous avons discuté et déplacement nous pour l'ONU dans le jour mercredi. Côté, nous pourrons parler de sujets qui concernent le pays par nous, qui c'est Haïti. Et puis, et gagner de l'autre projet toujours, et pour renforcer ça, nous déjà à fait en Haïti, et plus précisément à Port-au-Prince dans les autres villes de province, puisque c'est considéré que le centre de communication, c'est un outil de communication qui est là pour utiliser dans le sens pour capable prévenir mon yo dans la lutte, comment pour capable faire pour ne pas infecter, ça nous capable de maladie à l'ISV. Bon, bonjour là, moi figure bien frais dans New York là, ou un gros Brooklyn, soit bail dans New York là même, soit réglé, soit bail. Bon, ça nous baille dans New York là. Tout récemment, nous avons organisé et dans Brasserie Créole avec l'Orchestre Septentrional et First Class. Donc, il y a son brasseur. Non, pas brasserie, une Ou grosse dit activité. brasserie. Brasserie Créole. Son brasseur créole. Brasserie Créole, Une qui est combien? sous l'Indenne. Nous avons fait une activité avec Septan, avec First Class. Et quand nous avons profité et pour nous lancer des messages, pour nous toujours dire et qu'on est ici. Il y a un peu d'activité, un peu de stress, un peu de problème. Et les gens qui sont entrés, ils ont compris le chemin qu'ils ont pris, le chemin cabane. Et Encore bien. surtout, avec quatre deux jeunes générations, dans ces deux mondes qui pensaient les réussites américanisées, c'est entrer dans ça qui n'est pas même dans la culture, surtout dans les affaires sexes. Nous sommes toujours là pour nous lancer des messages et pour nous dire, pas oublier, il est important, pas parce que nous sommes sortis à Haïti, nous dit que VIH SIDA, c'est Haïti lié, il est tout partout. Et chaque monde qui sortit à Haïti, il est la patrie ici, pas pour ici, dans la ville, New York ou bien whatever côté pour aller, et bien il marche avec tout besoin, avec tout sentiment, avec toute salle capable et besoin pour faire ressentir. Ce qui veut dire, pas faire aucune négligence, nous toujours dit ça. C'est si ou pourquoi connaître un monde, vous voulez entrer dans une relation avec elle, c'est toujours chercher moyen pour mettre des préservatifs et nous toujours faire planification familiale, puisque chaque dimanche soir. Oh, mais c'est belle bagarre, bonjour là. Une des causes de pour cause encore, mon cher, vous dites tout ça cap fort après le qui fait figure bien fouet comme ça, c'est un plaisir pour nous causer ensemble. En tout cas, merci bien que je me fasse parler prochaine fois.